Si j'avais la force. Venir à l'ancrage, à l'espace de vie sociale, afin qu'ils se rendent compte vraiment de ce qu'est ce lieu en fait, et de ce qui peut leur apporter au sein de l'espace de vie sociale. Voilà, moi c'est Nicolas, je suis animateur à l'ancrage donc depuis un an. Animateur, mais aussi j'ai une spécialité en fait, c'est les arts plastiques et la culture. Donc là, les jeunes qu'il y a derrière actuellement, ce sont des jeunes qui n'ont quasiment jamais dessiné, jamais peint, ou ils n'aiment pas, ou ils ne savent pas. C'est des jeunes, évidemment, qui se connaissent. Alors, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Les Promeneurs du Net. L'objectif, c'est de créer et de maintenir le lien avec les jeunes sur les réseaux sociaux, et puis d'être disponible pour eux, pour répondre à leurs demandes, que ce soit en termes professionnels, personnels, scolaires, des aides administratives. Alors je suis présente sur divers réseaux sociaux tels que Facebook, Snapchat, Instagram, et on a aussi un compte TikTok avec le groupe de jeunes. Remercier les jeunes qui s'impliquent, notamment pour le quartier, je pense que c'est une bonne action pour eux, mais aussi c'est une bonne action pour le quartier. J'espère que les habitants vont jouer le jeu aussi et bien s'occuper de ces deux boîtes à livres, ces deux premières boîtes à livres sur les hauteurs des terrasses. Voilà, donc on va continuer. Merci aussi à celui-là, madame Bertrand. Je pensais que c'était important aussi qu'on ait ce projet en commun, parce que la culture c'est très important. Et c'est pas réservé qu'à les familles. Et donc ces deux premières boîtes à livres, on est vraiment très fiers. Et en effet, j'espère que les habitants joueront le jeu. Si j'avais la force, j'irais dans les rues. Je chanterais la paix, la paix, la paix, la paix.